Comme chaque année, un retour sur l'activité commerciale de Célérie sur 2023. Niveau chiffre d'affaires en légère baisse, 50 millions au lieu de 53 millions. Ça s'explique notamment en 2022 par une accélération des livraisons fin d'année sur le matériel réseau qui était issu notamment des commandes de stock de Covid. Et puis cette année 2023, un contexte que tout le monde connaît, incertain, et puis des coûts en explosion. De bons indicateurs quand même, parce qu'en 2023, une fois de plus, zéro client perdu, donc une attraction très forte, des nouveaux clients bien évidemment. Et puis des distinctions qui méritent d'être notées, que ce soit de la part des constructeurs sur des projets stratégiques, chez des clients stratégiques, mais aussi de la part de nos clients qui nous ont remercié de l'efficacité, je dirais, de notre logistique. Et puis enfin, une bonne nouvelle sur ce premier semestre 2024, un chiffre d'affaires déjà en hausse de 20%. Donc je dirais tous les indicateurs au vert.